prison noire. L'expression a gardé toute sa force évocatrice, où le cuir, la violence et le rock'n'roll s'allient pour raconter une époque. Il suffit du vrombissement de quelques motos sur une route de campagne et d'hymnes rock pour plonger 50 ans en arrière. Un âge d'or, celui de la France des Trente Glorieuses, insouciante et heureuse, seulement perturbée par les excès d'une jeunesse turbulente et de ses avatars les plus violents, les blousons noirs. Eh ouais, qu'est-ce que t'as ? Ce soir, c'est la banlieue qui parle. La banlieue des années 80. 1986, chez Loriciel, il prend la subite idée à Jean-Philippe Bisquet de sortir un jeu de plateforme plutôt sympa, en fait, dans son état d'esprit. Je veux voir la tête de Madame Tounelardi quand elle te voit déguisée. Bah, elle est dépitée, hein. Non, c'est pas Elvis, c'est Billy. Moi, c'est... attention, hein. Tu cherches des crosses, tu vas trouver les ennuis. Hein. Tu cherches l'embrouille, tu vas trouver Didier. Hein. Ouais, on va au bout des choses, évidemment, comme d'habitude, avec le cosplay qui va bien. Et regarde un petit peu le détail. Alors, ça fait grave plaisir. Je vais parler comme ça toute la soirée. Là, dans les années 80, ils parlaient en verlan. Les cums dans la banlieue. Effectivement. Qu'est-ce que... Ça le fait. Il va falloir faire les pauses en plus. Manu, tu descends. Et... C'est nul. Et Manu, tu descends. Mais pourquoi faire? Je sais pas, tu descends. Mais pourquoi faire? Tu descends. Ma mère m'a dit si tu descends, je te descends. Alors non, je reste là. Alors, Billy la banlieue, c'est un jeu Loriciel sorti en 86. Il y a eu une suite, Billy la banlieue 2. On verra ensuite après si on a le temps. En 87, donc, qui s'appelle Billy 2. Voilà, trop bien. Et donc c'est un jeu vidéo de plateforme. Donc elle a été créée par la société d'édition française Loriciel, qui est assez réputée pour quelques jeux, et notamment pour ceux qui connaissent un petit peu, il y avait le 5e axe, un jeu MO5 et TO7 que vous pouvez voir dans la vidéo sur le MO5 à la fin, qui est plutôt réputé pour sa qualité d'animation du personnage, vous verrez. Et puis évidemment il y a l'Aigle d'Or, un jeu d'aventure action-aventure, qui a eu une suite d'ailleurs, L'Aigle d'Or, Le Retour. Et celui-là, peut-être qu'on se le jouera, un de ces quatre. En tout cas, c'est Made in France, Cocorico, et c'est quand même des jeux qui sont plutôt sympas et rigolos à faire. Du coup, sans plus attendre, les petits amis, on va passer au jeu. On est parti. On va dire bonjour un petit peu à tout le monde. Ça fait splatch. Yes. Alors voilà, on est dans le CPC. Alors attends, parce que je suis de ce côté, moi. Il est où mon CPC? Merde, j'ai perdu. Et c'est ça, là. Il est là. Toc. Alors bon, bah faut faire une commande, évidemment, pour lancer le jeu. On est sur disquette. Moi, j'ai accéléré le chargement parce que, évidemment, sinon, ça prend... Alors, Infinite Energy, on va dire non. Attends, faut que j'ai le truc dessus, là. Et alors, ça risque d'être un petit peu bien pourri. Alors, d'abord, vous allez avoir bien du son. Est-ce qu'il y a la musique? Ouh. Alors, vous allez voir, il faut... Le but du jeu, c'est d'aller jouer aux jeux vidéo. Alors, c'est génial parce que c'est un concept... Voilà, super. C'est un concept assez unique à l'époque. Et en fait, faut... on va jouer au jeu dans le jeu. Et donc pour ça, il faut aller... on va récupérer des objets pour...
passer et essayer d'éviter de se faire taper dessus par des gens. Alors là, c'est chiant parce qu'en fait, les pièces vont m'empêcher de sauter. Hop. Oh là là. Celui-là, il est très chiant à monter. Allez. Alors comme je suis obligé de faire les... Hop là. Donc là, en fait, j'ai pris un cœur. Ouais, j'ai pris un cœur. C'est dans mon cœur. Tu vois? Hop, le son. Bah, je suis à fond, là, sur le son. Ah non, attends, je suis pas à fond. Je déconne. Par contre, ça va vite vous saouler, le son. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et là, donc, comme j'ai un cœur, c'est pour la fille. Et donc, ça la détruit. Tu vois le concept? Du coup, faut aller... T'as une limite de pas. J'ai une limite de pas, non? Et donc, si tu veux, faut aller chercher les trucs. Pour aller... Et puis, prendre de l'argent. Et là, donc, le flic, il faut aller chercher un flingue. Et tu vois, le flingue, il est en bas. Sauf que tu peux pas passer, là. Donc, t'es obligé de faire le tour. Et là, et la guitare, c'est pour un musicien, évidemment. Et la potion, c'est pour l'autre hippie, là. Alors, attends, parce que la guitare... Voilà. Et donc, c'est un puzzle, comme ça. Il faut se souvenir où sont les objets. Ah. Et là, tu vois, t'as une borne d'arcade en bas. Pour aller jouer. Voilà. Par contre, je sais pas comment tu fais pour descendre, en fait. Ah oui, faut être de l'autre côté. Faut être descendu de l'autre côté. Donc, faut se souvenir où c'est. Donc là, je peux prendre des sous, déjà. Parce que ça me saoule. Et là, il me faut la guitare. Tu vois, j'ai posé des sous, mais... Il y a le musicos là-haut. Là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Ah. Ouais, pour sauter, c'est chaud. Hein. Là, j'ai perdu ma vie. Je sais même pas s'il y a du game over, on voit. Yes. Merde. Alors. Même pas où je vais. Ah, la vache. À mon avis, c'est plus facile avec un joystick. Oh yes. Là, il y a un gun. Je sais pas si c'est intéressant. Et alors, t'as des endroits, t'as des poteaux que tu peux... Que tu peux grimper. Mais pas tout le temps. Le couteau, c'est pour les loubards. Ah! J'ai pas pris de sous. Je pourrais déjà jouer. Oh. Pardon. Ton énergie diminue à chaque mouvement. Ouais, parce que j'ai pas mis l'énergie... J'ai pas mis l'énergie sans limite. Donc faut que j'en récupère de temps en temps. Et je sais pas comment on fait. Là, faut que je pêche des sous, là. J'ai une limite de pas, ouais. Oui, c'est ça que tu voulais dire. C'est les mouvements. Et là, je peux te dire que c'est pas facile. Hein. Là. Là, il y a des sous. Et on va essayer d'aller jouer, quand même, parce qu'il faut aller jouer. C'est l'idée. Puis après, on se mettra... me mettra en infini, parce que... Sinon, on va vite perdre du temps. Ah, merde. Ah, là, attends, là, il me faut une fiole pour le passer, lui, parce qu'en fait, la machine de jeu, elle est dessous, il faut que je le passe. Non, c'est bon. Et là, tu vois, bon, là, on a un bandit manchot. Bon.
Je sais pas du tout ce que je dois faire. J'ai l'impression que ça a planté. C'est moi ou ça a... Non, ça a planté. Ça a planté! Ça va, c'est pas trop chiant la musique? En plus, je vois rien que la banane. Attends. Y'a quoi là? Là, y'a. Ah, il me faut le cœur. Attends, il me faut le cœur. Ah, il est où le cœur? Il est carrément là, le cœur. Alors, je comprends pas parce que le. Tu vois, le truc en bas là, ils me disent ce que j'ai dans la poche là. J'ai l'impression que je peux avoir deux trucs. Parce qu'il y a la place pour deux trucs. Mais. Du coup, je vois pas là. Voyons voir ce qu'on a en haut et ce qu'on a en bas. Là, il me faudra un flingue. Voilà, je sais pas ce que j'ai pris, une carte. Et là, c'est pareil, ces trucs-là, je sais pas ce que c'est. Attends, je prends le flingue. Mais non, je peux pas. Putain. Et là, il me faudrait quoi, là? Là, il me faudrait un couteau pour Luna. Mais là, je peux monter. Ah, la fiole! C'est pas facile, hein. La carte, je sais pas à quoi elle sert, hein, j'avoue. Ah, je sais pas où je vais. Zox! Wouhou! Y'a quoi en bas, là? Donc, on est dans le métro, hein. Wallabaga! Oh, Balik! Balik vient de s'abonner? Mais ça, c'est pour aller jusqu'au 25, hein. On est d'accord? Salut, Balik, bienvenue. Et hey, Retro Stew! Ah, mais... Merci. Merci, le cosplay est magnifique. Merci. Ah, et avant d'oublier, c'est trop bien. Franchement, merci. Salut, Retro Stew, bordel, sacré costume. J'ai vu que t'étais en replay aujourd'hui, Retro Stew. Je me suis dit, ah, il veut venir voir le live. Allez! Putain, c'est en train de merder complet, le truc. Ah là, j'arrive pas à monter. Là. Ah ouais, je peux pas, en fait. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est... Ouais. Alors, c'est pas du Commodore. C'est du CPC. Ah, j'ai quoi? J'ai une carte. C'est du Amstrad CPC. Ah, mais j'ai la carte. Ça passe, la carte, là. Mais voilà, les cartes, c'est pour eux. Trop bien. Alors, lui, il faut un couteau, lui. Et là, il y a un jeu, hein. Et ça permet quoi à la fin? Ah! Qu'est-ce qui permet quoi à la fin? Le jeu, tu veux dire? En fait, là, on passe les trucs. Et on va jouer dans le jeu. C'est-à-dire qu'on fait du... On va jouer sur des bornes d'arcade. Alors tu me diras, waouh, à quoi ça sert? Oh, c'est marrant, quoi! Oh non! J'ai réussi à tomber dans la flotte. Cette blague. Là, il y a un bandit manchot, mais... ouais, c'est la première fois que je joue au jeu, ouais. J'ai connu sur Atari ST 86, j'étais pas né. Mais non. Voilà. 86, je faisais mes premiers programmes en basique. Et ouais. Et ouais. On se refait pas. Et hop. Mais non. Salut, Crossowen. Bienvenue ce soir. Oh, le thug, ouais. Mais pour l'instant, j'arrive à rien, j'aimerais bien aller jouer. Non, mais non! Qu'il est con. Et au fait, on avait dit cuir. Et moustache. un jour peut-être. Un jour, elle sera mienne. La cohérence de l'open world, entre guillemets. Mais oui, complètement. Là, je tombe dans l'eau. Mais sans déconner, je suis à un pixel près, là.
Et là, c'est le drame. On va recommencer 15 fois, juste les 3 premières secondes. Je vous préviens, ça va être horrible. Boum ! C'est dommage qu'on éclate la fille, quand même. Tout bien tout honneur. Allez, mais saute. Mais... Les contrôles sont quand même pas évidents, hein. Mais quel cancer, ces jeux rétro. Je sais pas comment tu fais pour avoir autant de patience. J'en ai pas. Je joue qu'une heure. Bon, je vous rappelle, les petits amis, quand même, que... Ma Balik qui s'est abonné, et ça me fait hyper plaisir. Mais je vous rappelle que nous avons un défi à 25 abonnés. Alors allez-y, parce qu'à 25 abonnés, je fais mais non. Lara Croft dans Tomb Raider. Mais non. Mais non. Comment ça, mais non. Mais non. Mais non. Oh, attends, tu vas pas me dire. Ouh, on est à 12 abonnés. Alors, je pense qu'avec Balik, ça fait 13 ce soir. Parce que c'est pas du live. Je peux télécharger ma liste d'abonnés pour savoir qui. Voilà. Je veux des cuirs. Pas du pipcho du vécu. Je veux des gros uns, des gros hucs. Je suis obligé de le dire en verlan. En plus, ça va bien avec la banlieue. Je veux des cuirs. T'avais déjà gift pour Bulma. Ouais, ouais, carrément. Je me souviens. Effectivement. Salut poupée. Que je n'ai pas vu d'ailleurs, je vais aller voir ça sur le YouTube, ma merde, en plus tu l'as pas vu. Quel dommage. C'était cet été, quand j'étais en Bretagne, donc c'est... C'est un peu... Non mais j'y crois pas. C'est bien fait quand même. Je trouve le pixel art très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, non? J'ai réussi. Alors attends, j'ai quoi dans ma musette là? Et ben voilà, j'ai ça. Qui c'est qui a fait? Dennis Gamer vient de s'abonner, mais Dennis Gamer! Mais trop sympa! Ouah, Sunday a offert un abonnement à Madame Mia. Oh là, elle va être contente, Madame Mia. Encore un abonnement à Match. Putain, mais Sunday, mais t'es ouf. Sans déconner, mais t'es complètement fou. On va y arriver, hein, à fusion. Oh, Rémi va être content. Trois fois, mon dieu, Sunday! Mais arrête! C'est coloré, dirait Trostio. Ah oui, le salaud, il est fou. Il est fou. Arzor 2 vient de s'abonner. Comment tu fais, Arzor, pour t'abonner? Ah mais non, t'as offert... C'est Arzor... Putain, mais ça va. T'es complètement fou. Merci. Ça fait 4, mais t'es complètement dingue. T'as vraiment envie de me voir en Lara Croft, en fait. Hein. Songday, le bienfaiteur de la chaîne. Tout ça pour voir les boobs de Costco en Lara. C'est ça. Madame Mia va être contente, hein. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs, tiens. Bravo Sunday, bravo. Merci, hein. Oh, t'es trop fort. Franchement, c'est trop sympa. Dis donc, ce serait pas au hasard, les objets, de temps en temps? Ou alors il y a plusieurs configs pour faire croire que c'est au hasard. Ça a l'air un peu planté, ouais. Et paf! Une cartouche. Pardon. Excusez-moi. C'est ça d'avoir voulu fuir le 1 pour le 2. Tu es condamné. Ouais, j'ai été puni. Il est puni. Puni. Ah bah, on le connaîtra le début du jeu, hein. Mais merde, je suis désolé, hein. Non, mais là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, il me cherche. Il me cherche le jeu. Le jeu, il me cherche. En même temps, on est sur cette chaîne pour me voir perdre. Bon, on aimerait bien avancer un petit peu quand même. On triche, ça y est, maintenant on triche. Y'en a marre. Je garde d'excellents souvenirs de la D à 8h du matin. Ah ouais. De la ligne D. La ligne D, les amis. La ligne automatique de Lyon. En fait, il est en bas, mais il est pas en bas. C'est trop bizarre. Oh là là, je comprends rien. Je la merde.
L'a trouvé. Hop. Voilà. Là, je sais pas où je vais. Couteau. 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 Putain. Couteau. J'ai le couteau. On va pouvoir jouer. Tout se passe bien, si je me souviens où c'est. On va pouvoir jouer, c'est là. Hein. Attention, moment épique. Moment épique, les amis. On va pouvoir... Ah mais non, j'ai pas de sous. Faut que j'aille chercher des sous. Bon, faut que j'aille chercher des sous, mais... Moment épique. Alléluia. Alléluia. Non, faut aller là. Argent, bon argent. Et là, on va enfin faire un mini-jeu. Donc un jeu dans le jeu. Et c'est pour ça qu'il est classe, ce jeu. Oh, un Space Invaders. Ah ben ouais, super, mort. Là, il est balèze. Il est balèze. Oh bah non, déjà mort. Je sais même pas si je gagne des trucs à la fin. Ah bam! Joli score. Voilà. C'était tout. On est bien, on est bien? Est-ce qu'on est bien? GG. C'était rapide. Ouais, tu m'étonnes, c'était rapide. Là, je fais... Mute. Et je fais ça. Et je reviens vers vous. Oh yeah. Oh yeah. Bon, putain, c'était hard quand même, n'empêche. Mais, on retiendra, oula, une bonne chose. Ce jeu est beau pour son époque, je trouve, sur CPC. Un graphisme tout à fait... agréable, alléchant, vraiment, vraiment bien sympa, quoi. J'aime bien le style comme ça, pixel art bien travaillé. Mais à un moment donné, si on veut se revoir, faut qu'on se quitte. 22h22, c'est l'heure du crime. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. 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 Adibou, encore ? On va pas faire le dibou. On va entamer une série de deux vidéos pour Halloween. On va faire deux mardis Halloween. Ok ? J'ai envie de faire Night Trap. Un super jeu en vidéo full motion. L'overdosé. Et un Luigi's Mansion GameCube. Pour parfaire le tout parce que c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous paraît bien ? Pas bien ? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'idée. Ça va être mémorable. Merci. Saison 2, épisode 2. C'était cool. Merci d'avoir été là avec moi en direct avec ce superbe cosplay très banane. Et puis, n'oubliez pas, dans l'oignon, il n'y a rien de bon. Mangez du cochon. Salut !